Simplement, Gérard Collomb, et là c'est un, le grand secret de la politique française, comme Sarkozy avant lui, comme Hollande, n'ont pas les manettes. Donc 80% de la politique d'immigration leur échappe en réalité. Parce qu'elle est décidée de plus en plus, elle est communautarisée au niveau européen, y compris l'asile, de plus en plus. Et nous n'avons pas nos frontières, je le disais. Et se surajoute l'accord de Schengen. Donc en réalité, si on veut une vraie politique migratoire, il faut qu'on reprenne notre souveraineté nationale. Voilà, la souveraineté migratoire fait partie, la souveraineté territoriale fait partie de la souveraineté nationale. Mais il faut retrouver toute la souveraineté nationale pour le faire. Et là, on pourra gérer la politique d'asile, la politique d'immigration légale, qu'il faut très fortement baisser. Mmh. On pourra lutter contre l'immigration clandestine, qu'il faut ramener à zéro, parce qu'elle est complètement illégale. Et il faut retrouver des frontières nationales.